Yo les gamers, c'est Neofrax pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, premier gameplay sur Call of Duty Ghost. Un premier gameplay sniper, j'espère réellement qu'il va vous plaire. On va commencer un peu tranquillement cette année sur Ghost. J'espère vraiment, comme j'ai dit, que ce gameplay vous plaira tranquillement. Un petit gameplay OL11. OL11 de Ghost. Je vais parler un peu de ce snipe lors de cette vidéo, mes impressions, etc. Juste avant, j'aimerais vous poser quelques questions sur les vidéos à venir. Donc tout d'abord, qu'est-ce que vous en pensez d'un let's play de la campagne de Ghost? Je l'ai pas encore commencé, apparemment il est très bien, etc. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas commencer... Ouais, on va dire, ouais, mes vidéos avec un petit let's play, ça pourrait être sympa. Après, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Seconde question, est-ce que ça vous intéresserait un tuto sniper? Donc bien sûr, je le réaliserai pas tout de suite parce que j'ai pas encore énormément de niveau, je pense. J'ai pas tout découvert sur les snipes et tout, mais qu'est-ce que vous en penserez? Moi perso, ce serait avec plaisir que je vous ferai un tuto snipe après. C'est selon vos besoins, qu'est-ce que vous en pensez ou quoi. Donc une fois de plus, n'hésite pas à mettre des commentaires pour me dire qu'est-ce que t'en penses ou quoi. Et c'est à peu près tout ce que je voulais te demander. Ouais, c'est tout, voilà. Donc laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que t'en penses sur ces deux petites questions. C'est plutôt important, ça me permettra de me baser sur vos envies, sur tes envies. Tu sais pas. Donc comme je dis, c'est un gameplay sur un gameplay en domination sur une map que je ne connais pas. Je sais pas du tout comment elle s'appelle. Je vous mettrai là, je vous ferai une petite petite anecdote quoi avec le nom de la map. Et puis voilà. Ensuite, lors de ce gameplay, comme j'ai dit, on va parler un peu du sniper. Ce sniper là, le L115, je vais donner mes impressions plutôt sur les snipes, parce que j'ai plutôt testé ça. Juste avant, petite dédicace à eux, on va l'appeler un pote avec qui j'étais, et à Rapace, voilà, dédicace à vous. Et puis c'est parti. Je dis que c'est parti, mais j'ai un dernier petit point avant de vous proposer mon impression générale sur Ghost. Je vais attendre encore un peu de tester. Là, je vais donner mon impression sur les snipers et puis let's go. Alors, ces snipers sur Call of Duty Ghost sont plutôt bien, je pense. Il y a deux snipers à verrou et deux snipers on va dire sans verrou. Donc à mon goût, il y a trois catégories de snipers. Comme je dis, les snipers à verrou, les snipers sans verrou et les snipers de pute. Donc on a ce sniper là, une sorte de L11 petit peu amélioré. On a l'USR, donc qui est donc un mélange entre l'intervention et le MSR, je pense. Il me fait bien penser aux deux. Et on a ensuite un Barrett sans verrou et une espèce de Dragunov avec un silencieux intégré ou je ne sais pas quoi là. Ouais, gros sniper de pute, j'ai pas vraiment testé, j'ai plutôt testé l'USR et celui-là. Et puis voilà, tout simplement. Donc comme j'ai dit, des snipers plutôt pas mal, surtout avec ce scope qui est amélioré, puisque comme vous avez pu l'apercevoir, voilà, quand on scope, on voit vraiment le viseur qui est bien zoomé, ça c'est nickel. Et ensuite on voit bien le décor de la map autour, qui est un peu flouté et c'est vraiment pas mal. De plus, comme vous pouvez le remarquer là, hop, quand je scope, on voit toujours la mini-carte. Et ça c'est vraiment un très bon point, je pense. Moi ça me fait vraiment plaisir. Ça évite un peu de faire des cons, de se faire niquer facile ou quoi. Tout simplement, ouais, j'ai envie de vous dire. Ensuite, pour parler un peu des classes, là je vous afficherai ma classe vers le début de la vidéo. J'ai pas trop. Je pense vous faire. Si vous êtes chaud pour le tuto sniper, je pense vraiment vous faire un point complet sur les atouts à utiliser ou quoi. Parce qu'il y a pas mal d'atouts, 35 il me semble. C'est plutôt pas mal, surtout pour snipe, ça permet de faire plein de combi et tout. C'est vraiment excellent. Seul point que je peux vous conseiller, c'est vraiment mettre détermination, l'atout que j'ai. Parce que franchement, au début, c'est assez galère de faire des séries, sans déconner. Les déplacements sont pas les mêmes, je vais en parler dans cette vidéo. Et c'est vraiment, ouais, hard de jouer au snipe sur Call of. Donc je pense que détermination, un kill de moins pour avoir nos séries, c'est vraiment pas mal. Puis tout simplement. Donc, comme j'ai dit, je parlerai un peu
de ce sniper. Ce sniper, dans l'ensemble, comme j'ai dit, c'est un lance amélioré, puisque il one-shot au-dessus du genou. Bon, c'est ce qui est écrit, mais bon, ça arrive de faire quand même quelques petits marqueurs dans le buste ou quoi. Mais sinon, en général, il y a beaucoup de one-shots. Je crois pas avoir fait un, pour l'instant, petit marqueur. Donc, tout simplement. Je vais pas m'attarder plus sur le snipe. Je pense peut-être vous mettre la description du sniper. Là, à peu près dans maintenant quand j'en parle. Puisque, ouais, j'ai pris le temps de lire les descriptions des snipers ou quoi. Et ça peut être sympa. Je l'avais jamais fait avant. Donc, ouais, je la mettrai tout simplement. Ensuite, on va vraiment parler des déplacements sur ce Call of, parce que je trouve que c'est vraiment pas les mêmes. Faut savoir, donc on a plus l'aide à la visée. Donc pour arriver à placer des quicks ou quoi, bah, c'est le talent qui fait la différence. Je me vante pas d'être un PGM ou quoi, mais bon. Si on arrive à faire des petites shots au snipe, j'arrive quand même à faire quelques kicks ou quoi. C'est vraiment le talent, c'est juste ça. Mais bon, c'est réciproque. C'est vrai que question mitraillette, c'est plus dur aussi pour eux, mais on a moins de vie. Donc au final, c'est un peu, on va dire, c'est un peu nous qu'on se fait niquer dans l'histoire, c'est les snipers, puisque les mitraillettes sont plutôt, ouais, il n'y a pas trop de points négatifs puisque la vie est réduite, mais la difficulté est augmentée à cause de l'aide à la visée qui n'est plus présente sur Call of. Et nous, au final, ben y a pas de gros changements. Il y a juste qu'on a plus l'aide à la visée, donc c'est vraiment plus galère de jouer sniper. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir détermination. Pour mes déplacements, moi perso, je me déplace énormément à head glitch. Head glitch, c'est quoi? C'est voilà, par exemple, vous cachez derrière un tonneau ou quoi. Donc je pense même mettre un glitch ici. Voilà, là je suis un head glitch. Vous voyez, vraiment que ma tête qui dépasse. C'est vraiment assez important au snipe parce que mitraille c'est plus chaud. Donc du coup, d'avoir juste ajusté la tête, c'est un petit peu mieux. Ensuite, vraiment faites beaucoup des spots, comme ici par exemple. Vous voyez, je vais beaucoup, on va dire, à des points de camp. Ne campez pas, sinon c'est pas très intéressant, mais ouais, c'est sûr que juste histoire de... Ouais, d'avoir quelques score streaks ou quoi pour nous aider. Après, moi en général, ce que je fais, ce que je vais faire dans ce gameplay, j'essaye un peu de tempo, un peu de rester à distance, histoire d'avoir quand même mes kill streaks pour faire un minimum de kills. Et après, une fois que je les ai, c'est parti, je me tape un bon petit rush en quickscope et tout, et ça fait toujours du bien. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Et puis voilà, donc c'est vraiment, je pense, le plus important au snipe. Alors là, franchement, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai lancé un cut, il est pas mort. C'est pas grave, tranquille. Donc vous voyez, là, je suis encore un petit spot. Un spot plutôt connu que je peux vraiment, vraiment vous conseiller. Ça passe crème, tranquille. Vous voyez, là, j'ai. Ouais, un bon petit ensemble sur la map. Je vois bien ce qui se passe. Bon, après, camper ici, comme j'ai dit, c'est pas très intéressant. Mais juste en pot, c'est pas mal. Après, je sais pas vraiment quoi vous dire de plus pour mes déplacements, c'est vrai. Déplacez-vous de façon intelligente, vraiment regardez cette minimap, c'est très important. N'hésitez pas, ouais, à prendre des poèmes. Ça fait toujours... bah non, voilà, comme je dis avec détermination, mon chien, c'est 4 kills. Le chien, c'est plutôt ravageur. Comme voilà, j'ai fait 3 kills, plus une capture de drapeau, et Bob, j'ai le petit chien. J'ai Molos, comme je l'appelle. C'est cool, franchement. De ces petits drapeaux. Après, juste petit point là pour les drapeaux, c'est un peu du foutage de gueule, puisque avant sur MW3 tu prenais le drapeau, tout le monde avait droit au point et tout. Maintenant tout le monde a droit au point, mais c'est seulement le premier qui prend le drapeau qui a droit à avoir une jauge supplémentaire pour ses kill streaks. C'est un peu dégueulasse, au début je comprenais pas, je prenais les drapeaux, j'avais jamais de points, je me disais quoi, tu fais niquer. Et finalement en fait c'est normal. Ouais, tout simplement. Là le gameplay va pas tarder à toucher à sa fin, il me reste 3 minutes assis quand même. Donc là j'ai mon hide d'hélico, une espèce d'hélico. J'ai pas encore testé tous les score streaks. Parce que au début je voulais un peu essayer de vraiment tester les snipers. Donc là j'ai eu mon score streak, donc je vais commencer mon rush. Je vais pas commenter vraiment le gameplay, c'est pas très intéressant, vous arrivez à voir ce qui se passe tout seul. Ce que je vais dire, c'est... Je vais essayer d'aborder un dernier point, c'est vraiment les scores au snipe.
Faut pas s'attendre à faire des énormes scores comme je dis, parce que les maps sont plus ouvertes, plus grandes. Donc l'hardscope est plus favorable, on va dire, même si c'est pas le seul moyen. Et du fait qu'il y a plus d'aide à la visée, et ben c'est encore plus dur d'hardscope. Donc sans coller les scores, faut vraiment pas s'attendre à faire des trucs de fou. Moi au début, quand j'ai pris sniper, je me suis fait, je dirais commencer à jouer sniper, je me suis fait violer. Mais pour de vrai, c'était... vraiment, je faisais des scores pitoyables. D'ailleurs, j'ai un ratio, je crois que c'est 0,80. Bon, là, il commence à remonter. Donc, parce que je commence à faire des choses au snipe. Mais vraiment, mon score était... mon ratio, mes scores étaient vraiment pitoyables. Là, au passage, je crois que c'est là. Attendez, attendez, regardez. Un. Et puis là, boum. Voilà, collat. Ça fait plaisir, petite triple. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc, comme je disais, ouais, je me suis fait vraiment laminer. Et c'est vrai que maintenant que je commence à faire des petits trucs, quoi, bah, je suis plutôt fier. Je suis assez satisfait. Tout simplement ce que j'arrive à faire du jeu. Je pense peut-être vous proposer un petit montage, quoi. Quelques-uns, ça peut être sympa si j'arrive à revenir des clips. Après, je suis pas kill feeder. Moi, je fais plutôt. Je vise plutôt le score que la feed. Mais bon, faudra voir. Voilà. Dernière question que j'avais oublié de vous proposer avant vraiment la fin de ce gameplay. Pour les scores, vous en pensez quoi sur ce ghost? Plutôt pour mes scores, à moi d'expliquer. Auparavant, sur les autres Call of ou quoi, quand je faisais un... pour que je puisse mettre un score, un gameplay sur YouTube, fallait que ce soit minimum du 40. Et c'est vrai que sur ce ghost, c'est plutôt chaud à faire du 40, donc je voulais vous demander, vous pensez que ce serait combien une limite de score qui serait plutôt pas mal? Du style, je pensais moi un score minimum 30 ou 40 pour proposer. Je sais pas si vous m'avez bien suivi. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis c'est tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vais vous inviter à laisser un petit like. Laissez un petit commentaire, c'est très important pour savoir ce que vous en pensez de mes vidéos, pour savoir la limite de score et tout. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis ciao les gars, c'est NeoFrags.